monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un Get Ready With Me nouveauté, mais pas que, parce qu'il y a des choses qui sont assez récentes, d'autres vraiment récentes, d'autres pas forcément, mais c'est toutes des choses que j'ai achetées récemment et que je vous ai pas montré en vidéo, dont la palette dont je dois vous montrer depuis je ne sais combien de temps, 2 mois plus ou moins, mais mieux vaut tard que jamais, hein. Donc c'est la Blood Money de chez Jeffree Star. Voilà, d'ailleurs il y a encore le petit collant dessus, comme vous voyez. Bon, c'est le packaging assez énorme. J'ai jamais eu de palette de Jeffree Star comme ça. C'est la première dans les gros formats. J'ai les petites, j'ai les autres, la Primaïté et tout ça. Mais celle-ci, j'avais jamais eu dans ce format-là. Franchement, c'est énorme. Hein. Ranger, c'est très pas très pratique. Ça s'ouvre. Alors, ça aussi. Voilà, vous avez un petit bouton ici. Et hop, voilà, comme ceci. C'est vraiment un gros coffret. C'est énorme, franchement. C'est du verre, hein, bien évidemment. Elle est juste magnifique. Alors je suis un peu deck, je vous ai fait les swatchs et du coup il y a déjà presque tous les dessins qui sont partis. Mais bon, elle est trop trop belle. Et alors en swatch, c'est encore plus beau que ça encore. C'est magnifique. D'ailleurs, je vous laisse avec les swatchs et ensuite on se retrouve avec le make-up. Je vous ai fait les swatchs sur le bras cette fois-ci parce que sur la main il y avait trop de fard. Et sur les yeux, j'en aurais plus. Donc je les ai fait sur les bras. Je vous laisse avec. Voilà, vous avez vu les swatchs, on va commencer tout de suite. Donc je vais appliquer, non, je vais peut-être mettre ma base d'abord, ça serait mieux. Je vais appliquer ma base de chez Beauty Bay, voilà, comme ceci. Je l'avais pas encore mise. C'est celle que j'utilise tout le temps pour l'instant. Franchement, si vous recherchez une base petit prix, vous pouvez y aller, hein. Je l'aime beaucoup. Je serais contente, dans ma dernière vidéo, vous avez été pas mal à avoir profité du bon plan Hit Cosmetics pour les Belges, parce que malheureusement, c'est que sur ici par Excel que j'ai vu ce bon plan. Donc c'est chouette. Pour l'instant ici par XL n'a encore rien vu. À mon avis ils vont s'en rendre compte quand il n'y aura plus de pinceau. Voilà. Donc maintenant je vais mettre le fard ici qui est blanc, enfin qui paraît blanc comme ça, mais il a des reflets verts bien évidemment. En fait tous les fards dans cette palette, même ceux qui ne paraissent pas verts, ont du vert, hein. Donc je mets ça sous la 4 sourcilière et ça fait vraiment un effet, enfin, ça fait un illuminateur mais magnifique. Oh, trop beau. Non, je pense qu'on pourrait même le mettre un peu en illuminateur. En highlighter. Il est vraiment magnifique. Et là, avec la lampe, ça ressort. Hein. Trop trop beau. Voilà. Encre de paupières. Donc, c'est tous mes pinceaux. Ils ont déjà du vert parce que je les ai utilisés hier. J'ai déjà fait un make-up hier. Ça fait quelques jours que je teste la palette. Donc, ici, je vais mettre celui-ci en creux. Magnifique aussi, vraiment énorme cette palette. Il a sorti une nouvelle collection, enfin une nouvelle collection, c'est pas forcément une nouvelle collection, c'est la collection anniversaire de la c'est la Blue Sugar, la rouge, qui est maintenant dans un packaging blanc. Je la trouve beaucoup plus jolie d'ailleurs dans le packaging blanc. J'ai l'impression que les fards sortent mieux et elle me donne plus envie dans le packaging blanc que dans le rouge. Dans le rouge elle me donnait pas envie du tout. Et la petite palette aussi, j'aime beaucoup. Qui sait, peut-être dans les prochaines nouveautés. Cette fois-ci, peut-être pas 2 mois après. Mais elle est sortie en période de fête et il y avait tellement de trucs, enfin, il y avait tellement de vidéos à faire en période de décembre, novembre et tout. Il y a tellement d'idées, enfin, moi j'ai tellement d'idées à ce moment-là que ben, j'ai pas su vous la faire tout de suite. Mais voilà, ça vient. Elle est là. Donc, du coup, ben, la rouge, et alors les nouveaux gloss aussi qui viennent de sortir chez Jeffree Star. Alors, je suis pas gloss, vous savez, mais là, ils ont l'air hyper pigmenté, je sais pas comment elle finit, s'il est vraiment gloss ou quoi, mais il m'intrigue. En plus il y a des fards assez des gloss assez nude et du coup il y a quelques teintes qui m'intriguent et que j'aimerais bien tester. Mais comme ça, comme d'hab, je vais en tester un et puis je verrai pour pas en acheter 3-4 et me retrouver avec quelque chose que j'aime pas. Donc on verra, mais il y a la teinte, je sais plus quelle, enfin ils sont bizarres, non, je saurais pas vous les dire. Mais il y a des nudes magnifiques. Et alors l'embout, enfin l'applicateur du rouge à lèvres, il est du gloss rouge à lèvres.
Il est très très spécial. Il est très joli. Je trouve ça superbe. Alors pour ceux qui ont suivi l'histoire avec la toile aussi, ben ça va, on l'a mise en fait dans le couloir et en fait elle s'est un peu, elle s'est retendue. On ne voit plus rien quand on l'a déballée, qu'on l'a laissée un peu poser, mais ça s'est retendu donc on n'a pas dû la renvoyer, donc tant mieux, ça donne trop bien. Elle est immense. Immense. Voilà pour le creux, donc comme vous voyez c'est bien bien flash, hein. La pigmentation. Et alors ces deux fards, celui-ci, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais le kaki ici, plutôt ici, il est magnifique. Le noir ici, avec des paillettes vertes, sublime aussi. Enfin franchement, les lumineux là-dedans sont terribles. Alors ensuite, je vais utiliser le fard juste ici, en coin externe. Ces deux-là, on ne voit pas énormément de différence. Je trouve ça un peu dommage. Quand on les met ensemble. Alors que dans le pan, ils ne sont pas du tout ressemblants. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on va faire le cut crease. Alors, je ne vous ai pas dit, mais la palette, elle n'est pas donnée. Hein. Elle fait 59,95€, je pense, sur Beauty Bay. Ouais, c'est pas donné. Et je crois qu'elle est aussi sur, sur Douglas pour les Belges, sur ici par Excel, on a aussi Jeffree Star. Et là les codes promo passent, mais je sais pas si cette palette là y est encore. Parce qu'ils ont pas tout. D'ailleurs ils ont pas les nouveaux gloss malheureusement. Et vous avez vu la base de chez Beauty Bay, elle est assez pratique. Parce que même pour les cuts crease, elle est bien. Je viens de penser qu'on est passé direct à la vidéo, je vous ai même pas montré les autres produits. J'étais tellement emballée par la palette Jeffree Star qu'on allait tester en fait. Ça sera surprise, hein. Alors, ensuite, je vais utiliser un fard que j'aime beaucoup aussi. Tous les crèmes de toute façon, je suis dans un pinceau. Celui-ci. Qu'on va mettre sur la paupière mobile. Il n'y a pas de mots pour ce fard, il n'y a pas de mots. Ce que j'aime avec les fards Jeffree Star, c'est qu'ils sont crémeux, mais alors ils sont pas difficiles à prélever au pinceau. Pas besoin d'y aller au doigt, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop aller au doigt. Et ça c'est nickel. Vous voyez l'intensité malgré que j'ai vos pinceaux, quoi. Et sinon, trop contente. J'ai tagué Gaëlle Garcia Diaz sur Instagram parce que j'ai refait le challenge qu'elle avait fait de la semaine. Et elle avait justement dit dans sa vidéo de la taguer si on refaisait le tag, ce que j'ai fait. Et elle a mis une petite femme à ma photo. La fille trop contente. En coin interne, je vais mettre un autre fard qui est juste sublime et qui est un vert citron trop beau ici. Il est magnifique. J'ai quand même envie de foncer un peu le coin externe. Est-ce que je tenterai de mettre le noir? Mais il est tellement pigmenté que j'ai un peu peur. Écoutez, on va essayer d'en mettre un peu. Les paillettes elles se perdent un peu, hein. Dans le noir quand on l'applique on voit plus forcément
les paillettes. Par contre, j'ai pas de chute sur mon teint. Ça, c'est déjà bien. On va faire le ratine maintenant. Comme d'hab, donc je vais mettre le fard le plus foncé, celui-ci. Et puis, je vais mettre le vert plus clair ici. Mon doré. Bonne question, j'hésite. Mais pas du tout. On va mettre celui-ci. Enfin, si on testera un fard de plus. Qui ressemble un peu à celui d'à côté, mais en mat. On va mettre celui-ci en coin interne. Le blanc, ici. Enfin, le blanc avec des reflets verts magnifiques. Je sais pas si vous me voyez à la caméra. Il est vraiment sublime, mon membre sur toute la paupière mobile, à mon avis, doit être magnifique. Voilà, pour les yeux, c'est bon, je pense. Donc ensuite, on va tester une nouveauté qui est un nouveau crayon de chez Too Faced, qui est le Killer Liner, je pense. Enfin non, le Killer Casual, parce qu'il y a deux formats. Ici, il n'y a qu'un noir, il n'y a pas d'autres teintes. Il y a des autres crayons qui sont sortis, qui sont vraiment pas mal aussi, mais qui ne sont pas rétractables. Ici, moi, j'ai pris celui-ci. Pas pour faire un trait de liner, hein, mais pour la muqueuse. Voilà. Pour l'instant, il est bien noir. Ce que j'attends surtout d'un crayon comme ça, c'est de voir dans la journée, voir comment il va rester dans la muqueuse. Donc là, je ne saurais pas trop vous en dire plus, mais voilà, pour l'instant, il marque bien noir, tout simplement. Hop. Je vais mettre mon mascara de chez Anastasia, comme d'habitude, le Lash Brac. C'est comme ça qu'on dit. J'ai toujours l'impression de le dire bizarrement. Alors, pour les yeux, c'est terminé. La prochaine nouveauté, donc celui-ci, moi, le crayon Too Faced, pour en revenir à ça, je l'ai acheté sur Douglas, donc j'ai eu 25% dessus. Donc il m'est pas revenu trop cher, je crois que je l'ai eu pour 14-15 euros, et de base, il est à 20 euros. Ensuite, j'ai acheté sur Ici Par XL le nouveau crayon à sourcils de chez Huda Beauty. Pareil, il m'est pas revenu super cher parce que j'ai eu 21% sur Ici Par XL, sur la marque Huda, on a 21%. Alors, je ne l'ai pas encore testé, et le packaging est juste magnifique. Comme ceci, donc vous avez d'un côté le goupillon et de l'autre la pointe qui apparemment est hyper fine. Enfin, hyper fine. Voilà. Par contre, je ne sais plus la teinte que j'ai pris. Je vais regarder sur le packaging. Alors, j'ai pris la medium brown et c'est la teinte numéro 5. Et j'étais étonnée du prix aussi parce qu'il n'est pas si cher que ça. Je pense qu'il a une histoire comme 16 ou 17 euros. Et moi avec les... ou un peu plus. Et je l'ai eu à 16 ou 17 euros. Je sais plus. Non, je crois qu'il a une vingtaine d'euros. J'ai eu 21% dessus. Donc il m'est revenu une histoire comme 15-16 euros. Et je trouve que ça va pas pour la marque. Hein. Ok. J'ai déjà cassé un bout. Il est hyper sec, mais hyper sec. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème. Il me fait mal et il est, et voilà quoi. Ok. Il est inutilisable. Hein. C'est une blague. Ouais non, sinon la teinte ça allait, mais c'est mort. Si je continue à l'utiliser, je vais le casser. Et en plus je l'ai acheté depuis. Une semaine au moins, donc je sais même pas si je vais savoir le renvoyer ou quoi. Génial. Alors je sais pas si c'est le mien ou si c'est tous comme ça, mais bon, mais on va utiliser mon NYX, hein, qui est une nouveauté que je viens d'acheter aussi. Enfin, c'est pas une nouveauté, mais c'est un que je viens d'acheter aussi.
Ok, bah super, il est hyper sec. C'est déjà la deuxième fois que j'ai le coup. J'ai eu ça avec un bénéfique, mais là le Huda il est. Enfin le Huda il est quand même nouveau. Donc ils viennent de le recevoir, donc je suppose que c'est pas qu'il est resté dans les stocks et qu'ils l'ont soldé ou quoi. Donc génial. Dégoûté. Je regarderai les revues de mes copines pour voir si elles ont la même blague que moi. Ah mais je suis bien dégoûtée. Super. Voilà. Comprenez pourquoi des fois je teste avant de faire la vidéo ou... Enfin, c'est bien, on met le flop en direct. Hein. Moi qui me disais ça va, j'ai un crayon d'avance. Magnifique. Voilà, et niveau teint, on va donc utiliser un bronzer qui n'est pas forcément, enfin je pense, je suis pas sûre que ce soit une nouveauté de maintenant, mais ils viennent d'arriver sur Look Fantastic. Moi je l'ai eu d'un site italien, mais maintenant ils sont sur Look Fantastic, c'est la marque Dolce & Gabbana. Donc c'est ce bronzer-ci, regardez-moi le packaging, juste magnifique. Donc moi j'ai la teinte 2, je pense, au secours mes lunettes. Solar Glow 20 cents. Donc, ils en ont d'autres qui sont magnifiques. Ils en ont un avec un côté illuminateur et bronzer qui est magnifique. Ils ont la même chose pour les blushs. Alors ils sont pas donnés. Hein. Clairement, ils sont pas donnés du tout. Mais franchement, ils sont superbes. Ils sont vraiment superbes. Je pense que c'est 10 grammes. Si je me trompe pas. 16 grammes quand même. C'est pas mal. Le packaging est hyper lourd. Donc ça, je l'ai déjà testé hier. Je vais utiliser mon pinceau. Donc il est juste magnifique. J'ai quand même voulu le swatcher. Et la teinte est assez froide. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, quoi. Il sent aussi divinement bon. Un petit peu comme les bronzers de chez Guerlain. Donc le voici. Par contre, il est très très poudreux. Ça, c'est le seul petit bémol. Disons que ça suce plus vite. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, il travaille hyper bien. Et la teinte est magnifique. Bon après je crois qu'ils sont quand même à 60 et des euros. Faut attendre, hein, y a des codes promo, il y a 20 ou 23%. Il y a toujours moyen de trouver des codes promo sur Look Fantastic, donc ça vaut la peine. Vous pouvez l'avoir pour une quarantaine d'euros, ce qui fait pas beaucoup plus cher que certaines marques. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, on va utiliser le blush de chez Jouer Cosmétique. C'est une petite palette qui est trop cute. Mais bon, elle n'est pas non plus hyper petite. Elle est très très bien. Les deux blushs qu'il y a dedans sont magnifiques. Regardez-moi ça. Alors, elle coûte pas très très cher. Je crois que sur Beauté Privée, Beauty Bay, je voulais dire, elle est à 16-17 euros. Donc, je trouve que ça va parce que franchement, elle vaut trop le coup. Je l'utilise depuis quelques jours et je l'aime trop. Surtout cette teinte-ci, c'est celle que je préfère. Et ouais, elle est superbe. Et alors, il est un petit peu lumineux. Je sais pas si vous voyez. Ouais, il apporte vraiment de la lumière. Il est sublime. Un petit peu highlight en même temps, en fait. L'autre, il est un peu plus mat, par contre, je trouve. Même s'il est beaucoup plus clair aussi. Mais ils sont sublimes tous les deux, franchement. Voilà. Parce que du coup, ça, je pense pas que j'ai besoin de mettre d'highlight en fait. Ça fait assez de lumière. C'est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, on va tester un rouge à lèvres. Donc je vais d'abord tester la base. C'est des rouges à lèvres de chez Colourpop. Donc j'ai jamais testé. J'ai acheté ça dans le kit ici avec tous les rouges à lèvres. Et bien, chaque fois que je filme, on a les sirènes. Donc, on va mettre la base, parce qu'à l'intérieur, il y a la base et un autre rouge à lèvres mat qui est le 20Y63, je pense. Donc, je vais d'abord mettre la base. Base qui est un petit peu la base comme chez MAC, j'imagine.
Voilà, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Ma glace a bougé. Je vais vous le swatcher, qui a un nude un peu rosé. Juste magnifique. Voilà. Que j'ai pas encore testé. Je vais encore tester aucune teinte. Par contre, ils vont se finir très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de grammage, je crois, dedans. Donc, si vous flashez sur une teinte, à mon avis, ça se finit hyper vite. Par contre, l'applicateur, il est tellement facile. On est sur une teinte que j'aime beaucoup, hein. Voilà, make-up terminé. Pour en revenir sur les produits, la palette, j'aime beaucoup. Franchement, j'aurais dû la tester plus tôt. Si vous recherchez une palette de verre, celle-ci, elle est complètement complète, hein. Vous avez tous les verres que vous voulez. Un peu plus complète, franchement. Je crois que si vous faut une palette de verre, c'est celle-là et vous n'avez plus besoin des autres. Il y a tout ce qu'il faut. Le vert kaki ici est juste magnifique. Je vais le tester à mon avis très prochainement. Vous verrez certainement maquiller avec dans une prochaine vidéo. La palette n'est pas donnée, mais bon, c'est le prix des palettes Jeffree Star. Après, voilà, il y a la marque, le packaging qui est énorme et spécial. Moi, c'est pas... Je suis pas fan. Je préfère quand il fait ses autres palettes comme la Jawbreaker ou quoi que celle-ci. Mais les couleurs sont magnifiques. La pigmentation est terrible comme d'habitude. Celui-ci, ici, pareil, il est crémeux, juste sublime. Franchement, elle est très 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 jolie. Je trouve que c'est une belle réussite. Ensuite, pour le bronzer, j'ai beaucoup aimé aussi. Vous l'avez remarqué, franchement, il se travaille super bien. Il est magnifique, le packaging est sublime. La poudre est magnifique, il est juste un peu poudreux, ça comme je vous l'ai dit. C'est le petit hic, mais bon, avec tous les bronzers que j'ai, ça va, je vais tourner, à mon avis, je vais l'économiser un petit peu. Ensuite, niveau blush, jouais pareil, j'ai beaucoup aimé aussi. Un peu comme la petite, j'ai la grande. La palette de bronzer, j'aime déjà beaucoup leur palette de bronzer. Mais là, ça me donne envie d'acheter des grandes palettes de blush parce que franchement, elle est sublime. Mais celle-ci particulièrement, par contre, parce que je trouve que les teintes dans celle-ci sont beaucoup plus belles que dans les grandes. Dans les grandes, j'ai pas forcément flashé sur une des palettes, mais celle-ci, les deux teintes m'attiraient et elle est magnifique. Ensuite, niveau Huda Beauty, mais que dire? Je ne sais pas si c'est mon crayon ou si tous les crayons ont eu un souci. Ou je ne sais pas. Donc du coup, je vais pas dire que c'est de la merde. Je n'en suis pas encore sûre. Je vais attendre de voir les revues des autres personnes. En plus de ça, ça va être une galère pour moi à l'envoyer parce que ici par XL, pour ça, ils sont très chiants. Franchement, il faut renvoyer à ses frais. Enfin, c'est pas ça, ils remboursent après, mais c'est quand même chiant, quoi. Ils ont qu'à nous envoyer une étiquette, on renvoie. Moi, je trouve que c'est mieux quand le service client, franchement, voilà, il y a un souci dans leur produit. Ils vous envoient une étiquette, vous renvoyez. Là, non, vous devez avancer les sous. Ils doivent recevoir, confirmer qu'il y a un problème, puis vous rembourser, quoi. Et normalement, ils vous remboursent les frais de port. Pareil, du coup, après, il faut renvoyer un ticket de caisse pour montrer combien vous avez payé de frais de port et tout. C'est très chiant. Avec le bénéfice que j'avais en souci, je ne l'ai pas fait parce qu'il était utilisable. Enfin, il était utilisable, il était très très sec, mais je crois qu'il était quand même moins sec que celui-ci, parce que franchement, celui-ci, j'allais m'arracher les sourcils avec. Donc, bah écoutez, je suis dégoûtée. Clairement, dégoûtée. On verra. Je vous tiendrai informée. Ensuite, pour le crayon Kajal de chez Too Faced Killer, la teinte noire, parce qu'il n'y a qu'une teinte comme... Enfin, il n'y a que cette teinte-ci, je suppose qu'ils vont peut-être après agrandir la gamme, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'a pas bougé, franchement, c'est nickel. Il est rétractable, c'est parfait. Donc, et franchement, je trouve qu'il n'est pas trop cher non plus pour la marque. Après, bon, il n'y a pas souvent des codes promo, c'est les journées gold, mais pour la Belgique, sur ici par XL, oui. Douglas aussi. Et ensuite, on a testé quoi? Les rouges à lèvres de chez Colourpop. Et ben ça, franchement, pour le prix, je suis très étonnée parce qu'ils coûtent 3 ou 5 dollars, je pense, ces rouges à lèvres. Et franchement, là, c'est la formule mat, parce qu'il y a plusieurs formules, hein, dans la petite boîte ici. Et vous voyez les teintes magnifiques, nude et toutes les colorées pour l'été, ça va être super. Et franchement, ben, la pigmentation, elle est terrible. Le fini mat est parfait. Après, je sais pas si la base a aidé, mais en tout cas, pour un mat, ça ne marque pas les ridules, rien du tout. Donc il est... Il est juste sublime. Donc voilà pour cette petite revue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !